Nous, notre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Oui, Richard Brisson, c'est une route principale côté Charles Bralvasé. Et son jeune qui était malade, il était tombé, donc il était fait sous la boue, en quelque sorte. Et puisque Charles, nous avons ensemble d'éléments de poids lourd, il était enfoncé avec nous. Il était un détachement qui fait avec son chariot. Son jeune nous traitait comme nous avons la boîte de roche Sao qui l'a eu. Surtout par contre, il avait fait là depuis un plan prétendant, bon, sous-champ, c'est avec tapis roche Sao qu'on a monté pour renforcer le sol là. Donc nous avons plus que 60 pouces, bon, même 60, nous avons à environ 80% de travail là. Réussi travail là. Donc mais d'ici mardi, mercredi, nous avons fini, nous sommes passés fait à bien. Comme vous constatez devant là, nous avons commencé avec l'emblème en partie. Canal commencé à faire nos séries de partie. Donc nous avons préparé pour caniveau et trottoir. Nous pensons d'ici vendredi samedi, nous avons pratiquement fini avec question ça. Si nous prenons en prison, il y a autour de 9,40 m. Mais la route ap, et l'emballe de chaussée spécifiquement, là 6 mètres. Chaussée de roulement, là on a environ 6 mètres. 1,5 mètre. Non, trottoir là varié parce que vous pouvez constater, il varie entre 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, ou 1 mètre 50, il varie. La trois rivières là, qui est censée principale avenue à recevoir, nous nettement avancé sur nous pensons que nous prêts pour que nous capables de continuer à mettre des GBA et surtout côté que un GB déjà pour nous capables de TBB. Une difficulté c'était avenue Richard Brisson et nous censés à matel, il était en pire problème, en pire difficulté. C'était un véritable marocage qui était un béton sur lui qui était très mal fait. Mais nous arrivons à faire des enrochements sur lui. Et je dis à nous gain sol là stable et n'a pas avancé sur lui. Je pense que si nous n'avons pas contre, nous demandons de dîner par collaboration. Et nous pensons que nous avons promettre un boulevard ensemble avec Richard Brisson. Pour mon bord de paix, jouer de carnaval. Dans le dos, la rentrée à la. À quel âge on estime l'entrée et puis là, il est là. L'entrée de Villa est assez large, dans la mesure que de deux côtés, on a bien trois voies. L'entrée de Noïma, on a bien trois voies. On a une bonne voie qui permet de rentrer bord de paix. On voit si on peut aller sous piste d'aviation hein, et qui permet de virer vers Jean Rabel. De même, dans l'absolu, bas nord-ouest, on a bien deux voies, on a bien trois voies. Une voie qui permet d'aller vers Jean-Rabel, après deux voies, une entrée vers Port-au-Prince et puis l'autre la permet de rentrer la ville. On a un giratoire, on a un bus qui a pris la mort et en même temps, on a fait des marquages au sol qui peuvent indiquer mon mes voies pour reprendre et on a mis des panneaux de signalisation. On a un marquage horizontal, un marquage vertical pour que les mounions rentrent et sentent que bon changement de fait, bon vent soufflé, bon port de paix qui en fait pas au moins que y a du nouveau. C'est pour point notre travail dans le temps et pour voir là. C'est pour réinstaller les statues historiques à la mort là. Oui, ça sont giratoires liés et que nous avons tout installé. Et puis devant là, nous avons installé un artiste qui a rentré demain soir, lundi soir, qui a vu réhabiliter Capois la mort sur son cheval. Il y a installation, plombing, tout ça, oui, tout fait compris. Tout à fait compris. Et électricité également, jeu de lumière. Et pour finir sur la petite population. Bon, nous demandons des collaborations. Population et notamment donc vous dînez pas nous mettez des couvertes au lieu que lorsque le dîner pas par l'ouvert pour que le liquide en trou soit ça là qui va détériorer ça là nous gagnons des bouches d'égout que nous mettons en fermé mais malheureusement des populations il y a une la guéfade là dedans nous mettons des populations collaborer de même tout sur trop droit nous mettons des grillages sur eux juste pour pouvoir protéger eux parce que tout drainage que nous faisons sur trois rivières là, il n'y a pas qu'à prendre Fatra. C'est bleu seulement qui va être là-dedans. Et tout côté bleu a accès à la pelle des grillages, il n'y a pas besoin de pousser Fatra à faire là, forcer Fatra à passer là-dedans. Tout drainage que nous faisons, c'est pour bleu, parce que ville là, son zone marécageux, n'a pas fait là dans le sol. Il faut que l'île étanche tout le temps. Donc il faut que le drainage bien fonctionner. C'est ça qui fait la barre de tous côtés pour que Fatra ait de dehors, pour que ces bleus passent là-dedans. Dans le une campagne, nous accompagnons le président Jovenel dans 22 mois. Campagne, nous avons dit voter président Jovenel, nous pas pour regretter, nous avons dit population ça. Effectivement, c'est ça qu'a fait là. Et moi,
féliciter le président Jovenel avec tout le premier ministre là, qui fait choix de ministre Nader, un ministre de secteur, et qui fait choix tout de ingénieur Angelo, directeur Angelo, qui vient dans notre travail ça. Nous sommes contents en pile et nous avons demandé diaspora, les gens qui sont dans la diaspora, ils sont venus avec quiétude d'esprit. J'entends le ministre Nader dit tout à l'heure, pour dépasser une côté dans la ville, dans le pays qui était plus sale. Mais qu'on y a, j'espère que la plus propre passe toute l'autre ville qu'on y a. Grâce à dévouement et ministre là, et équipe qui travaille avec lui. Nous disons, mon bon de paix, mais était tête fouette, promesse président Jovenel était fait pour réaliser route Kafoujoff en Safoléa, c'est lui qui en cours. Et nous profiter du carnaval là tout pour nous travailler pour aller plus vite et pour nous capables de réaliser le rêve président Jovenel était fait à la population. Nous sommes nord-ouest en chantier, qui est central EDH, qui est en bas qui a construit et qui est presque fini. Tout ça, c'est de ministre Nader, sous responsabilité avec ingénieur et EDH. Nous sommes l'hôpital qui a construit dans la zone en bas, la Saline. Nous sommes gros travail sur le café drainage. Il y a une absence de drainage qui te permet que la ville te inonde le temps de la pluie. Et maintenant, des populations de deuxième dans tout. Pas jeter fatra dans le travail, ça a fait là. Pas jeter fatra dans le canal, mes amis. Je regrette le magistrat par là. C'est lui-même qui est responsable de la ville, le premier citoyen de la ville. Hein? Pour être capable de dire aux gens, pas jeter fatra dans le caniveau. Ça, la ville. Son problème la vie, la vie plus grave que j'en étais autrefois. Donc moi dis, tout le monde, on met main ensemble, on fait bagaille ensemble, juste pour nous capables de réaliser ça. Encourager ministre, encourager président, encourager l'autre équipe pour nous capables de réaliser ça qu'a fait là. Moi dis merci en pile, nous souhaitons que carnaval l'a bien passé et n'a pas fini en bien parfait parce que là où tu es blessé parfait avec cette vitesse pour nous venir dans carnaval là en bien pour nous retourner en bien. Mais c'est vous qui venez sortir de France qui vient renforcer l'équipe pour essayer pour nous aider à travailler à avancer pour nous devant et là travail à la HP ensemble avec depuis Angelo et qui est vraiment fougué et moi je remets ça. Autant de fois que nous avons décidé de travailler pour le pays, on même engagé avec le ministre Nader, avec quelques petits départements à l'Ivoire pour nous collaborer, nous aller. Et ici, là, nous n'avons pas dormi pour nous capables de réaliser. Matin, là, nous avons la calo à 5h du matin pour nous réaliser le travail que nous voulons réaliser pendant la soirée. Et notre travail à l'arrache-pied et pour nous rendre le travail là. Oui, ici, là, là, qui est la première. Est-ce que la complexité de travail par un peu inquiet dans la posée de mettre travail? Parce que c'est là que tu as pour carnaval, non? Carnaval, c'est 14 qui est ce là. Bon, nous ne sommes pas gagnés. Vu qu'il y a avec dévouement technique pour gagner, grâce à Dieu, si nous n'avons pas de travail, il n'y a pas de problème. Nous ne savons pas le nécessaire pour nous. Pour nous gagner, et puis pour nous gagner, nous ne plus possible. Si nous nous gagner, nous ne savons collaborer. Ensemble avec des Angelo qui est vraiment fougué pour lui faire travailler avancer pour tout devant. Angelo va dormir une minute pour faire travailler ça. Moi-même, tout ça, c'est ça. Pour personne. Dire qu'Angelo est vraiment une fête dans la cabane. Il est en conversation avec nous net. Oui, toute la nuit pour personne. Il est là-bas entre 2h du matin, 3h du matin là avec nous. Il est toujours campé là. Il est très fougueux, il est très soucieux pour travailler avancer. Et nous confiants, une semaine avant. Carnaval là, tout le bagage est beaucoup progrès fait, pas oublier de Dimonio. Et tronçon route et Kafoujoff pour des PA n'a pris ni carreau sable. Mais nous disons que nous avons fini avant 7 février 2022. Non pas dit nous avons fini avant 14 février. Mais ça nous constate un pile progrès pendant samedi, moi, sorti là-haut.
en pile ouvrage yo grand coulé à peine gain 6 dalo qui va compète avec mêlé avec et ouvrage bus et dalo et me constater en pile progrès fait m'encourager au divin faire davantage et pour mon yo qui prend dans caraval là et au du moins monde qui porte des paix senti vraiment confortable et que route ça que yo t'a souffert longtemps t'a comme toujours dit pendant plus de 50 ans et chaque fois on régime béni l'appel surtout depuis 86 tout le monde appelle et finalement président Jovenel qui sorti pour des paix et qui décidé avec moyen trésor public les commencer faire mon ouais clair dans route là et dit bravo pour ça et c'est en synergie la présidence comme dit la primature finance travaux publics et nous avons garanti avant 7 février 2022 route ça fini. Nous avons un peu de progrès qui fait sur le terrassement, sur le grand bassin bleu qui déjà, ça c'est prêt pour l'asphalte. Oui, un peu de côté prêt pour l'asphalte, un peu de côté prêt, il y a presque fin et libéré tout en prison. Moi, je dis qu'il y a des ouvrages, c'est pose-bus qui ne prend pas pose-bus. Il y a des côtés, c'est 48 à 72 ans pour faire mise en place, il faut y avoir déjà mise en place, couvrir, mis des têtes et puis bah, un petit temps compacté. Et rembler, compacter, puis et imprégner, mettre couche de roulement. Donc, où est le progrès qui fait? Et samedi, encore, nous venons comme ça. Après, en pile ou pas, c'est fini. Et puis, surtout, bisous. Et puis, après, route là, et beaucoup plus rapide, nous arrivons à Bassin Bleu. Malgré qu'on soit monté, qu'il y a un pile de progrès qui fait, cependant, il y a une contrainte pour notre travail. Est-ce qu'on va venir non, en on dit tout simplement l'administration haïtienne là, je dis en barrière partout. Ils mettent toute barrière pour permettre de pas faire rien. Et si un président, un ministre, un premier ministre monté ou pas courir d'elle, qu'on est lié intelligent en pile. Barrière ils mettent dans l'administration haïtienne là, des pour 3 6 mois où tu dois tomber. Parce que vous n'avez pas grand rien qu'à faire. Mais grâce à Dieu, à l'intelligence, non, avec expérience, non, nous arrivons, font bagaille. Et c'est ça que pour l'autre, nous avons passé là dans la base CNE, où elle n'a pas de travail, elle a fait grève. Heureusement, pendant que je parle, le ministre Financier, le ministre Bavert, Rilim, il m'a garanti pour me venir côté lundi, pour nous qui manœuvre nos cafés pour nous payer. Et sous par le ministre Financier qui est éclairé, qui est avisé, qui est ouvert, qui pour traiter avec vous, pour t'ajouter un monde qui mesquin, c'est sûr, côté ministre des Travaux publics et agriculture, intérieur ou autre, ou mettre quoi, ou mettre tout bas job là. Donc, moi, dis ministre Bavert, merci et félicitations tout. Le fait que ou bien, li ouais, problème posé, on moun rele le délai, et puis le rele, et puis le bam garanti, lundi, n'a pas ensemble, et dès demain, on va le côté de la Cali pour nous parler problème pays, problème route, parce que route là, c'est lui-même tout. Et pour nous recommander nos cas contourner les barrières, traverser les barrières pour nous pays ça, la population ça, ensemble de travail qu'elle demandait, qu'elle méritait, qu'elle estimait qu'elle méritait, mais contrainte, mauvaise compréhension et monde dans le pays hein, qui quittait l'autre monde ennemi, adversaire Haïti, a détruit Haïti et qui joignait comme esclave et mental pour empêcher les bagailles aller vers l'avant. À 22 jours de carnaval. Et pour route-là, route-là pas abordable pour tout le monde. Et pour nous avoir le port de paix, surtout l'entrée, nous sommes avec moi dans l'entrée ville-là. Je dis en là, moi, grâce à un problème qui gagne. Moi, bah, depuis hier soir, aux environs de 11h du soir, côté m'a parlé avec le directeur départemental là et Angelo, côté m'a demandé le jeudi, mettez camion disponible pour nous remblayer et finir avec couille des fondations. Hein, et puis remblayer et faire test là. D'ici demain pour couille des bases à mettre. Et d'ici lundi pour y commencer normalement et imprégner et le lendemain pour faire mise en place et couille déroulement. Pas oublier et d'ici mercredi tout le monde a bien rentré ville là, on l'autre gens et m'a aller là, m'a fait près de 4 à 5 heures de travail avec eux pour nous capables d'aller vers l'avant pour nous aller beaucoup plus vite et plus bientôt. Pour le travail va avancer, en pile évolution qui fait le travail, certainement et pour des personnes ville très très difficile. En termes d'infrastructure routière, en termes de construire route et autres. Donc, mais cependant, moi, je travaille très très avancé.
en pile ouvrage quand on fait. Avant de passer l'autre jour là, il y a un pile d'eau qui devait couler, je dis à le couler. Et puis là, dans Carrefour et Boulevard Trois-Rivières là, et il traitait. Certainement, moi j'ai dit pour le grand temps imprégné et mis en place grave bitume. Là. Mais malheureusement, j'ai trouvé des contraintes de sol qui ont été obligés de traiter. Mais pour nous, moi travaille en chronogramme avec le directeur Angelo. Je vais me garantir 25-26, ma binoué et l'autre week-end, non, ma binoué toute la grave bitume sur. Après ça, pour commencer à mettre bébé sur toute route là, et pour mon pas de père qui a commencé content ville, hein. Mais même dit mon yo, car pour j'en pas de père sur l'autre bagaille, yo, chaque jour, je suis plus confiant qu'avant 7 février 2022, où tu es plus de 80 km, ça a fini. Donc, moi, je compte en grande partie. Et il y a un problème au niveau de Bisson, et Richard Bisson. Et son route qui est très difficile, mais moi, avance sérieusement. Moi, je ne parle pas à la directeur d'Inepa dans la zone, non. Parce que chaque fois qu'il a avancé, et d'Inepa, elle mettait sur lui en charge, il a commencé à avoir des problèmes dans la zone. Non? Malgré que je devine parler avec lui, il va me garantir qu'il y a bien. Mon Dieu n'est pas arrêté avec l'équipe de travaux publics pour qu'il suive le travail. Malheureusement, le directeur a constat, le directeur a dit que c'est faux. Les coups, il y a eu blague de loin, il y a un peu de problème. Donc, je souhaite que tout le monde se corrige, juin après, il y a son nom. Mais ça nous va nous garantir qu'il y a bien un autre port de paix. Tout le monde port de paix qui a une chance de rentrer ou bien qui a un port de paix dans la télévision, a content le port de paix. Et les rues de Carrefour, Boulevard Trois-Rivières là, son l'autre ville, son l'autre environnement, son l'autre infrastructure routière qui est en ville là. Réseau d'énergie de traité et réseau routier hein, et réhabilité. Donc nous voyons tout le monde content et nous voyons petit port de paix à Pierre de Villois pour nous. Pas bien, port de paix traité, il y a une ville qui est plus sale. Je dis à la famille, une ville qui est plus propre. Je dis, bah, on garantit. Tout le monde qui habite dans le carnaval a trouvé un port de paix, en gaieté, en joie et route très normal. Côté chariot sorti dans le champ d'aviation, pour arriver dans le boulevard Trois-Rivières, pour passer dans la rue Richard Bisson, pour retourner côté hôtel. Moi, je l'ai bien traité. Donc, pas dit port de paix après être rénové totalement avant 14 février, mais on dit et circuit carnaval là a bien traité et tout le monde peut déplacer à content. C'est 22 jours, monsieur le ministre. 22. Pas d'inquiétude, pas peur pour le circuit avant de finir dans le sortir. Pas d'aucune inquiétude. Moi, je crois que moi, confiance, oui, je suis plus peur, c'était Richard Bisson. Traitement bien fait. Seulement, je souhaite dîner par jour au lit. Encore, je souhaite dîner par jour au lit. Et après ça, moi, parler avec Tidoc. Son équipe a dormi, qui a travaillé sérieusement. C'est lui-même qui a bien imprégné pour moi d'ici lundi soir. Il a bien imprégné là pour directeur départemental. Là. Moi, quoi, mardi, il a mis en place bébé dans le cas pour ça. Même le graphique financièrement traduit et circuit carnaval là presque fini. Moi, sûr, moi, quoi, Angelo, Lézim, Richard Bisson, et il va le dire là d'ici 5 jours. C'est-à-dire, ma poêle, avant vendredi, après, pour faire mise en place, grave bitume tout. Donc, c'est déjà le circuit carnaval fini. Il y a un route là, moins ouais, côté et canal là, la pédalette qui servit en même temps comme trottoir. Et en même temps, et on connaît pas de personnes, dans le côté, premier côté, dans le pays d'Haïti, où tu as perdu pour espace pour motocyclette, pour espace pour machine. Espace motocyclette, là, ici, vendredi, il y a presque fin de couler la donne. Et bien, bébé, c'est l'espace, il mettait couille de bazan, et couille de fondation déjà arrivé dans le niveau, il mettait couille de bazan, et puis il imprégné, il mettait couille de déroulement, cap dans un premier temps en GB, c'est-à-dire en grave bitume, et dans un second temps, bébé qui béton bitumineux, qui a fait pour des paix très très belles, pas aucune inquiétude, nous nous mettons là, nous souhaitons depuis 10 février, en pile mon envahi pour des paix. Pour que l'autre ville ça, il est pas dépêché. L'intersection ça, c'est béton hydraulique que nous avons mis là-dedans. Non, béton bitumineux, il n'y a pas d'aucun problème. Système drainage là, bien traité.
donc il n'y a pas aucun problème pour les jeux au lieu. Seulement, nous demandons des populations tout, je le parle, par la guerre patronne dans tout ouvrage. Parce que pour la guerre patronne dans l'ouvrage, ils ont rempli, et bien, il y a une passion en surface et il y a un problème. Pas oublier, sol et point de paix sur sol marécage lié, nous disons déjà, c'est ça qui fait l'Ibaï ingénieur. Puis le problème, si on ne peut pas faire route, on ne peut pas prendre l'ensemble des problèmes directeur départemental là a souffert. Donc, heureusement, l'expérience permet de traiter lui et l'ensemble des problèmes qu'il confronté, donc lui surmonter et puis permettre d'aller vers l'avant. Moi-même, tout le monde chantier, je comprends le problème, c'est ça qui permet de supporter de temps en temps. Encore la semaine, là, je suis là, pendant le carnaval, là, je suis là, pour moi, je suis carnaval là avec mon point de paix et puis, tant que je là avec là je dis. En matière de signalisation routière, est-ce qu'il faut projection pour intersection ça nous est là et lumière là tout ça. En termes de signalisation routière, comme nous équipe de travaux publics à route là lundi à Bin là, non seulement dans Koubio, et tout en série de côté pour nous éviter accident pendant la période carnaval là, pour nous mettre en série de signalisation qui va montrer mon à 100 mètres par le bon coup. Tel côté si gain par exemple notre là nous le chasseur là nous sommes montés sur Dodan qui va en pile problème même en dehors depuis qu'on y a une peinture tout Dodan pour capable faciliter mon reconnaître Dodan avant d'arriver pas oublier le cas grande vitesse sur monter sur lui qui a entraîné accident. Donc souhaiter que tout mon n'a pas joué non pleinement mais non dit mon tout le fait que route là commence en forme pas faire gros vitesse pour éviter accident. Parce que tout le monde n'a qu'à content, ouais, ou de prendre des paix. C'est pas route soit quitté pour nous jouer dans l'autre route, pour tellement qu'à faire vitesse, entraîner des accidents. Mais tu as vu, même nous rentrer pour des paix. Et qu'à content, nous quittons pour des paix, qu'à content, pour retourner pour des paix. Et nous pour des paix, préparer pour recevoir tout le monde, mon étranger et mon diaspora, tout le monde qui a pris dans la ville, pour venir péter à mon point de paix. Dommage, ce n'est pas la période Choubou pour Choubou de venir jouer avec eux et 14 février et 2021. On dit un grand petit problème en de centrale électrique là. Et moi, je n'ai pas choisi de dire, je vais parler ensemble avec et DG Michel et je crois tout va entrer dans l'ordre rapidement. Maintenant, comme dit, tout travail c'est possible, c'est grâce à la synergie qui est développée entre la présidence, notamment le président, et le ministère de l'économie qui est et le ministre Boisvert dans tête qui va dans pile appui et puis primature qui est toujours là surtout équipe pinan et planification qui est toujours là aider nous on dit pays l'orgue ressources qui très faible ça et bien l'homme était tout pouvoir ensemble la présidence travaux publics EDH et primature, ministère de finances, mais c'est sûr, nous avons fait merveille. C'est la première fois, ça a privé plus de 80 km route avant à réaliser dans l'espace 5 ans. Pas qu'on jamais fait. Depuis mon travail depuis de 30 ans, pas qu'on jamais gagné 80 km route qui fait dans l'espace de 5 ans. Certainement, je vais le dire, ni mal fait par la Tibalata, bon, non conscient, quels ont travaillé qui peut être là qu'à gros mal passant. Mais ça garantit que des fondations bien traitées, que des bases bien traitées, que des roulements bien traités. Car il y a un petit problème de visibilité si on a traité ça pour nous permettre tout le monde pour des paix et tout le monde qui aime venir dans le nord-ouest, jouit route là, jouit bien fait l'État fait pour eux, notamment l'équipe président Jovenel là, merci. Police nous voulons pour Haïti. Je vous dis, la police a trouvé dans une chimie gênée. Côté quelqu'un qui a fouillé, gardé, sans faire rien. Côté gang qui sortit pour prendre le pays. Nous avons un moment difficile. Côté chimie politique politique, là, pas favoriser le travail de la police. Là. Pour ça, la police, là, toute société a vu de gros épreuves à cause de l'alimentation gang ou examen. Et l'utilisation que vous faites avec les citoyens. Des familles qui sont là là-bas, vous payez un son. Il y a plus l'autre qui est traumatisé. La police a compris et partagé d'où les familles. Pour un état plus efficace,
si le crime n'est pas tant pile comme ça. Il est plus facile si la société n'est pas pile d'elle. Mais là, le crime n'est pas sorti pour une crime générale, alors qu'il est adoué exceptionnel. Mais la situation n'a pas qu'à craser la détermination de la police là, sous commandement pas moins. C'est pour ça que nous exigeons de tout le monde de voir le résultat. Le résultat de la recherche est différent opérations que nous menons et nous continuons à mener, montrer la détermination pour nous arriver sur tout groupe gang qui sortit pour prendre le pays en otage. C'est une obligation envers tête nous. C'est une obligation envers pays nous, envers femmes nous, envers société. Et ses obligations pour mener la police. La police a déterminé pour mener tout le monde qui campait en face de la loi. C'est ça qu'on a fait depuis 2 mois. C'est ça qu'on continue de faire. Parce que la loi a participé dans la société à gagner. C'est peut-être ça, on a demandé une autre fois encore à toute population pour nous protéger la police là, pour nous câbler pour la sécurité. Merci beaucoup. Là, qui vient décider pour dire qui est-ce nous voulons pour venir nous diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-coute. Pouvoir pas prendre un amateur. Nous ne prenons pas un petit passe-coute. Nous ne prenons pas un amateur pour voir peuple. Pouvoir prendre une élection. C'est peuple-là qui vous bat le pouvoir et c'est lui qui peut choisir nous qui lui fait confiance. Maintenant, là, on va aller. L'homme doit aller, même d'abonner, c'est peut-être là pour dire nous qui nous sommes. C'est pas gros amis, en tant que presse. Nous gros amis politiques, nous gros amis économiques. Nous gros amis, gros amis. Peu par ici. Nous voulons pour nous tenir le pouvoir d'Ali, pour nous-mêmes nous choisir, nous qui nous diriger. Et j'aime quand tu n'as le pouvoir d'Ali, c'est dans l'élection. C'est là, on est qui veut diriger le pays, sous ta problème, et transition finie, un an, ça finit l'autre. Avec dit tout le monde, chaque paille une boîte à l'acheter, mettez une boîte, mettez la bonne, ça travaille. Mais si c'est maintenant vous avez toujours, il a toujours fait 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler vos élections. C'est pour ça. Après vous, mettez l'élection, papa, il y a un boulot car vous faites les états pour le monde vous soit. Pour tout le monde qui doit dire, on l'a dit, ça vient comme on l'a dit. Moi-même, on l'a dit, même sur mon job, moi, on l'a dit, c'est pour la retraite. Ça veut dire, l'État me prête pour le peuple, c'est 25 ans, c'est ça. Après 25 ans qu'on fait, en fonction publique, là, on l'a retraite. Même dans la politique, là, il faut une retraite. Il faut une retraite pour la jeunesse, nous, on y a eux-mêmes, nous, on peut placer pour nous faire politique. Depuis 34 ans, c'est seulement 3 présidents qui ont défini le mandat. Et parmi les nous avons dit, nous avons eu le 7e président. Après 34 ans, nous avons eu tout le président. Net. Parce que nous avons eu le président de l'Union, nous avons oublié si le général Abraham a fait 48 ans président. Ça veut dire que c'est 19e président. Et nous avons eu le 7e. Ça veut dire que 12 présidents passés. Qui n'est pas supposé président pendant 34 ans. C'est pour montrer des problèmes. Nous passons 33 premiers ministres. Ça veut dire que les premiers ministres ont passé en moyenne seulement une année dans notre gouvernement. Nous-mêmes, nous sommes exemples. Nous avons 4 ans sur 4 premiers ministres. Ça veut dire pour nous dire que nous comprenons, nous ne sommes pas capables de développement comme ça. Je dis à CAPT, c'est pour nous poser. Vous savez dans le pays d'Haïti, vous intellectuels, vous mettez pour nous, pas de moyens pour continuer le pays à ça. Nous avons des gens qui ont demandé pour force morale, pour mettre tête ensemble. Mais vous mettez tête ensemble, vous avez dit, nous avons dit à force morale, vous mettez tête ensemble. C'est force immorale qui met tête ensemble, vous avez dit. Force morale a mis tête ensemble pour élection. Mal une élection. Nous faisons campagne pour une élection à nous, les gens. Nous avons pris l'élection à nous, nous avons pris l'élection ensemble avec nous, le candidat pour le président. La deuxième élection, nous avons pris le candidat pour le sénateur. Deuxième élection, ça a fait qu'on y a dit,
mon calcul arithmétique, pas comme côté, ce sont qui fait nous montrer que c'est la première élection de passer. Si c'est une crasse de première élection, on ne peut pas bénéficier de propre erreur. Tout est crasse de première, au fond, ça coûte. Maintenant, qu'on a, ça va en fait. Comme on parle de la nouvelle constitution du référendum, mettez là-dedans, après chaque 50 résidents, il faut gagner un an de transition. Là, ça va prendre la loi. La puissance, on n'a pas besoin d'un besoin d'aller. Donc, le résident finit l'aller, et petite transition, petite transition, mais fait ce coup de panneau, et puis, élection faite pour l'autre monde. Mettez le. Et c'est ça, c'est vérité, ça, on a refusé de dire, on a trompé, on a trompé le peuple, ça, pour longtemps. Nous faisons toute vie, nous n'avons pas menti. Nous pas fait gros l'estomac, gros problème. Nous nous chutons à parler. Sauf que nous sommes passeport, là, nous cherchons un genre, nous n'avons pas fait gros problème comme ça. Pour comprendre, c'est une classe aiguisée que nous avons peur pour nous courir, pour nous faire une élection avec nos pays. Nous avons un gros problème. Nous avons nous aider ici, dans le dans le budget république, là, il y a un montant, un quota de 20% qui a dévolué à développement départemental. Parce que normalement, république Port-au-Prince, il y a un pile problème. Tout le monde paye taxes dans le pays, donc le tout supposé qu'il y a un accès à services sociaux de base, quel que soit à côté de l'île. Donc, c'est un bagage qui est d'ordre public, pas de monde qui a contourné, parce que l'Assemblée nationale là, a gagné obligation en dans le budget républicain pour quota ça mise à part et taxes dans la collectivité territoriale en plus de ça qui a passé en dans le département communal et section communale mais en dans le budget républicain il y a un quota qui a parlé pour la décentralisation et pour l'accès aux services sociaux de base dans le département. Pour la justice, nous songeons que malgré la constitution amendée 87 ans, garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'était pouvoir qui était plus joindre même une solide qui fait que le pacte vraiment bail résultat pour le bail. Nous pas dit que c'est un bagage qui a fait, qui a permis que tout problème résolve dans la question justice là, mais au moins nous venons avec ça. Procureur, nous n'avons pas gagné un commissaire du gouvernement encore appelé représentant de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire, côté que chaque fois le commissaire du gouvernement n'a pas pour prendre décision, il peut être pas renouveler le mandat, il peut être pas remplacer trois jours chaque garçon commissaire du gouvernement, mais moi, nous avons quatre commissaires du gouvernement que l'exécutif nommé. Donc nous avons le procureur de la République. C'est maintenant changé, c'est pas maintenant seulement changé. Forme pour nous, nous a changé tout. Discipline, nous avons bien droit pour qu'on s'y travaille bien fait ou pas. Ce ne sera pas le pouvoir exécutif, ce sera le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, pour ne pas errer, on a dit exactement ça que souvenez-vous. L'ordre judiciaire de création de deux ordres de juridiction, au sommet de lui-même, en leur, c'est la Cour de cassation. Nous avons l'ordre judiciaire là, nous connaissons le même qui gère les questions tribunales, la distribution de la justice. Eh bien, nous garantis et nous gagnons le renforcement de l'indépendance des magistrats. Chaque temps, un magistrat, des mandats qui ont fini, c'est tout un aller tourner pendant ce temps justiciable, même des dossiers qui ont traîné. Eh bien, ça veut dire que, il y a une large place qui est fait dans une nouvelle constitution à l'école de la magistrature et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en matière de recrutement et de renouvellement du mandat des juges. Le padre, il y a un bagage qui paralyse le système là parce que le juge n'a pas mandat de renouveler. Donc, il y a plus de responsabilité qui a le joint co supérieur, en fait, alors Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'école de la magistrature. Et puis maintenant, pour fonction de discipline, c'est conseil, c'est pouvoir judiciaire qui gagne pour veiller sur discipline tout magistrat. Pas bien ministère, la justice en bas, cap garde qui ça, commissaire gouvernement fait, puisque nous avons un commissaire gouvernement encore, nous avons procureur de la République. Donc, magistrature là, avec conseil supérieur du pouvoir judiciaire, appelé ensemble pour travailler en synergie, pour permettre que le pouvoir judiciaire là, capable de fonctionner tout bien. Après ça, nous avons ordre administratif. Donc, c'est le même capteur de litiges qui mettait en cause l'État et collectivité territoriale, l'administration publique, et puis la fonctionnaire publique, et puis service public et question administration. Et puis, nous gagnons
la Cour supérieure des comptes, le même qui joue rôle, fait un contrôle juridictionnel de s'annuler les gestions des comptables publics, contentieux administratifs et poursuivre des actes de corruption et de concussion. Donc c'est Cour des comptes qui a gagné pour faire travailler ça. Donc au niveau du pouvoir judiciaire, il a renforcé le travail jugeux, Cour supérieure et Cour conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et puis il a changé le commissaire du gouvernement, et puis il a renforcé question Cour des comptes, et puis question de la Cour administrative. Le Parlement, c'est une chambre, une seule chambre, c'est la chambre députée. Et donc lui-même, domaine d'intervention chambre, il est vraiment renforcé. C'est-à-dire que désormais, ça qui relève de la loi, ça qui relève des règlements, il est bien listé, il est bien lisible en la Constitution, il n'y a pas bien pour monter sous pied l'autre. Question de productivité, chambre. Par exemple, dernière législature, là, c'est à peu près 5 lois qui j'ai voté sur 4 ans. Donc, problème ça, il y a une règle qui introduit, qui est de délai, pour que le texte aille dans le Parlement, qu'on le rentre, qu'on le pour l'inscrire dans l'ordre du jour, et puis qu'on le pour que le Parlement vote. Pour la loi de finances, nous connaissons que son l'autre problème, et que le pays n'est pas géré, nous connaissons ça, nous n'avons pas de développement économique, et si pas de développement économique, si pas de, nous pas gagné on loi de finances qui vote chaque année, côté que des nouveaux projets d'investissement, qui est capable de faire dans tout le pays. Hein. Donc à ce moment-là, et nous toujours pour conduire le même budget depuis 2017, en termes de développement, en termes de croissance économique, c'est vraiment ça met le pays à nos retards. Donc nous sécuriser la question ça, et le Parlement, les obéter au dos du mur, il faut qu'une fois que la loi arrive dans le Parlement, la loi de finances là, il faut qu'ils votent, et s'ils ne votent pas, il n'y a pas de responsabilité. Hein. Et l'autre point qui était dominé l'actualité pendant les derniers décennies, c'est la question de corruption, la question de malversation dans la gestion et finances publiques. Et tout le monde, revendication faite, c'est que faut que le pays soit capable de combattre la corruption. Maintenant, nous rendons compte que le mécanisme pour combattre la corruption n'est pas toujours clair. Parce que, de fait, contrôle au fait, effectivement, et nous avons IGF, c'est Inspection Générale des Finances, nous avons UCREF, nous avons LCC, nous avons tout conseil des comptes, mais même là, on peut constater faute, c'est-à-dire que malversation, corruption, c'est implicitement qu'on peut citer qu'à fait, mais il n'est pas clarifié. Le fait que c'est implicite fait que il y a très peu de poursuites par rapport à l'ampleur, en tout cas, ma perception que la corruption a gagné. Qu'on y a de clarifier, c'est-à-dire que le conseil des comptes l'y fait et contrôle lui, et il y a toujours possibilité pour le bail arrêt, et sauf que en cas de constat de malversation ou de corruption, la saisie parquet de tribunal première instance qui n'en ressort là. Alors pour qui ça lien ça fait, c'est parce que tout simplement crime financier et son affaire pénale. Donc c'est ordre judiciaire qui concerne pas ça. Donc il y a un lien qui crée entre le conseil des comptes qui est clair et parquet qui est là pour poursuivre tout crime et délit qui commettent sur le territoire national là. Donc, nous connaissons que toute crise, nous gagne dans 30 dernières années, c'est crise électorale qui aurait, c'est élection qui est mal faite, c'est résultat qui pas satisfait Mounio, non seulement créer violence, mais mettre tout élu Mounio dans une situation de contestation qui fragilise eux, qui fait que vous venez pas qu'à agir, parce que tout le temps, vous a essayé d'assurer survie, que vous êtes capable d'agir pour mettre en place des politiques publiques. Maintenant, le conseil électoral a renforcé, mécanisme pour nommer membres de tout a renforcé. Donc cette fois-ci, procédure-là est clarifiée, est plus lisible et que pour capable conseil électoral est capable plus indépendant pour capable jouer le rôle sans passe pour qui. Et l'autre problème qui te convient, c'est que le conseil électoral est à la fois juge et parti. Donc c'est lui-même qui gère l'opération électorale, qui met les gens sous liste ou qui rejette les gens sous liste,
les contestations encore, c'est lui-même encore qui réunit pour capable de trancher les tiges. Donc, quand il y a quelques problèmes, que, surtout que si on a un conseil électoral, qu'on quelquefois ciblé par contentieux, par protestation. Donc, on a un tribunal électoral qui est clairement défini, qui peut c'est la loi qui peut mettre qui peut définir organisation et fonctionnement. Le droit de manifester, la liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques et économiques est garanti par la Constitution. Mais malheureusement, nous constatons depuis quelque temps qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont incité la population à la violence et qui ont annoncé des opérations goudou-goudou dans le pays. Donc, nous avons dit mon saïo pour ne pas rentrer dans la logique, ça, parce que quel que soit le monde qui décide d'écraser, briser, qui a fait des ordres, qui a volé, fait monde, la police qui a pour mission protéger les vies et les biens, pas camper gadeo, et moi-même comme commissaire gouvernement, qui l'a pour faire prévention et surtout la répression des infractions, a obligé mettre l'action publique en mouvement. Et qui donc, pas occupé le monde qui a voué à faire des ordres, parce que l'un a crasé brisé, n'a fait des ordres, et bien l'un a en prison, il n'a pas arrêté nous pour détruire nous. Et monde ça eux-mêmes qui voué nous à faire des ordres là, qui voué à crasé brisé là, ils ont même tout le pape qui a fait rien pour nous, parce que il y a pour côté. Donc, moi, je demande tout le monde pour ne pas occuper le monde, qui a incité à la violence, parce que nous vivons dans une situation côté que nous ne sommes pas capables d'écraser briser encore. Donc, pour un pays côté que si nous ne sommes pas à l'école, magasin fermé, femme enceinte à mourir, donc nous ne pas croire que nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous prêts pour accepter ça. Donc c'est la paix nos besoins de sécurité, nos besoins de développement. Et quel que soit le monde qui décide de faire violence, qui a fait des ordres, nous-mêmes en tant que commissaire gouvernement, nous avons mis l'action publique en mouvement contre nous. Dorval n'a pas été oublié par le conseil. Mais Dorval n'a pas été oublié par les avocats du barreau de Port-au-Prince, par les avocats de cette juridiction, par les avocats de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes au 28 janvier 2021. Ça fait exactement 5 mois que le bâtonnier Moufirier d'Orval a été assassiné. Le 24 janvier dernier, c'était la journée internationale des avocats en danger. L'Observatoire des avocats en danger est créé par le Conseil national des barreaux de France, le Conseil national des avocats d'Espagne et d'Italie, d'autres barreaux s'y sont affiliés, dont le barreau de Port-au-Prince. L'objectif de l'Observatoire des avocats en danger est de mener une veille permanente sur la situation des avocats en danger et de prendre des dispositions qui s'imposent. Le 25 janvier dernier a eu lieu la dernière conférence internationale des avocats en danger à Azerbaïdjan. Plusieurs intervenants ont traité de la situation des avocats en danger dans différents pays. Le barreau de Port-au-Prince tient, outre le volet international, sa conférence pour relater une nouvelle fois le danger que court Monsieur Dorval au-delà de son assassinat. Le bâtonnier Dorval a eu la mesure de rétorsion physique la plus lourde. Il a été assassiné. Malgré cet assassinat, on n'en a pas fini avec lui. Le bâtonnier Dorval court un autre danger, celui que son dossier soit oublié dans un tiroir du tribunal. D'ailleurs, ces assassins y travaillent. Nous avons lancé une pétition conjointement avec Avocats sans frontières Canada. Nous vous demandons de signer cette pétition. Avocats, magistrats, greffiers, huissiers, clients, quel que soit votre statut, élèves, étudiants, tous les Haïtiens doivent signer cette pétition afin que Maître Dorval puisse avoir justice.
afin que nous parvenions à trouver ce que nous demandons pour M. Dorval, pour que la lumière soit faite sur son affaire finale. Vous trouvez cette pétition sur tous les réseaux sociaux, que ce soit à partir des avocats de Frontières Canada ou encore de quelqu'un d'autre. Nous vous demandons à vous tous de signer la pétition concernant l'assassinat de M. Dorval. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.